Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la présence de ce nouvel épisode de Starbound Please Giraffe, donc la version V4 de nos aventures Starbound. Donc, à la demande de l'un d'entre vous, il faut apparemment que je me rende sur une planète de type radioactive et que je farme le sous-sol des planètes de type radioactive. Poison Ocean, c'est pas la peine. Tropical, bah on va partir sur une tropicale, vous savez quoi. Et on va y aller. Donc apparemment il y a un truc à aller chercher en profondeur avec des mini-boss, etc, etc. Bon bah écoutez, je vais faire confiance à cette personne, on va bien voir. De toute façon, sache que si tu m'as menti, je te trouverai. C'est quoi la phrase, c'est... C'est quoi la phrase exacte de Tekken, c'est... Je vous traquerai, je vous trouverai, et je vous tuerai. Donc voilà. Eh bah écoutez, on va suivre un petit peu ce conseil, puis apparemment, vu qu'on trouve pas beaucoup de... De green module sur la planète type volcanique, et bah écoutez, moi j'ai un peu plus d'espoir d'en trouver. Peut-être sur des différents types de planètes en fait. Tout simplement. Donc on a notre armure complète, hein, level max. On est par contre assez full. Du coup, on va ranger un peu notre propre bordel. Alors on va récupérer tout ce qui est important quand même. Hop. Les piments, on peut les laisser, y a pas de problème. De ce côté-là, c'est plein. Par là, c'est pas plein. Là, c'est plein. Là, on a du boulot. D'accord. Bon, bah, je vais avoir du boulot après, moi. Oula, mais c'est que j'ai plein de saloperies aussi sur moi. En règle générale. Ah oui, j'ai tous ces trucs-là aussi. Exact, faut que je pense à les ranger. Tous les systèmes, les différentes planètes, en fait. De notre système solaire. D'accord, et ça par contre j'ai du bordel sur moi. Mais, il faut que j'en range un. Voilà, ça je range. Ça je range. Parfait. Et le reste, normalement ça devrait pouvoir être bon. Je vais ranger ça et ça. Sait-on jamais. Et le reste, hop, poubelle. Voilà, on va partir là-dessus. Déjà, on a un petit peu d'espace. Bon, on descend et on va creuser. On va creuser, je pense, en ligne droite, chers amis. Hein. On va garder cette habitude. Hop, un petit peu de café, ça fait toujours du bien par où ça passe. Hop, voilà. Un petit peu de bois aussi, ça peut toujours être utile, sait-on jamais. Poison, antidote, ça peut être intéressant aussi, ça. Bon, allons-y. Grassy Rock. J'ai pas dû beaucoup creuser sur ce type de planète. Oh, c'est tout. Voilà, je préfère. Bon, alors moi je vais laisser une torche m'indiquant que c'est par là. Hop. Bah limite non, on va creuser, on va continuer à creuser en profondeur. Hein. Voilà, on est bon. Parfait. Aïe. Donc. Ah, de la lumière. C'est bête. Un petit peu de heal. Ah bah c'est parfait ça. Hop. Hop. Alors j'espère ne pas être en train de laisser passer les choses intéressantes. À vrai dire ça m'inquiète un petit peu. Pas plus que ça mais un petit peu quand même. Sachant pas trop ce que je recherche. Tiens bah écoutez, on va passer là-dedans. On va prendre l'épée plutôt. Elle va être plus rapide à utiliser, vous voyez. Et donc peut-être potentiellement plus efficace. Ok, c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ok, donc là c'est rien du tout. Alors c'est bien de me dire des trucs à chercher, par contre si je sais pas ce que je cherche. Ah, je peux comprendre. Non, je vais pas dire ça parce que sinon vous allez me spoiler des trucs après. Mais ouais.
Peut-être un indice chez vous à l'hospice. Ah. Un biome slime. Intéressant. J'aime beaucoup les biomes slime. Hop, vous voyez la slime, c'est très particulier. Hein. On est extrêmement ralenti. Je vais en prendre d'ailleurs. Vous savez quoi? Je vais en prendre. Hop. Voilà, laisser couler un petit peu. On va aller chercher, hop, le truc là. Ah, si j'y arrive. Hop, ce sera des pixels donc. Pas en énorme quantité, mais bon, c'est toujours ça de prix. Hein. Hop. Je vois un coffre de slime. De donjon slime. Alors, qu'est-ce que c'est? La chaise. Bah écoutez, pourquoi pas. On va prendre le coffre aussi, tiens, tant qu'à faire. Mais pas le l'Oculemon qui était avec. Pas intéressant. Hop. Continue à récupérer le liquide en lui-même. Toujours être pratique, hein, sait-on jamais. Voilà, ça prendra à me chercher. Qui cherche me trouve. Hop. Voilà. Voilà. Ok, on enchaîne avec un biome flèche. Si je ne me trompe pas. Cassez-vous! Aïe. Non! Dégage, sale bête! Voilà. Ah, je suis tombé dedans. Cette malchance. Par contre, là, je vais récupérer ce qu'on trouve au sol, chers amis. C'est important. Hop. Ah, mince. En fait, on est dans un biome sel. Non pas dans un biome flèche, comme je l'ai dit plus tôt. Par contre, pour moi, le problème reste le même, du coup. Je ne sais toujours pas ce que je recherche. Une sorte de mini-boss apparemment. Le poison est une véritable plaie. Hein. Parfait. Hop. J'ai une arme moisie depuis le début de l'aventure pratiquement ici. Hop, problème résolu. Là si je veux éviter de tomber dans le poison ce serait cool. Eh ben non. Dégage. Hop. Ok. Alors par contre, si on peut pas prendre le diamant, ça va pas le faire non plus. On va virer du charbon. Non, le charbon, ça peut être utile. Le wire. C'est pas grave. J'en refabriquerai, c'est pas grave. Alors. Oh là. Bim.
Oh, une pièce. D'accord. Rien de bien intéressant sinon. Je vais juste prendre ça moi. Hop. Ok, bon bah écoutez, si je vais prendre ça aussi. Hop. Alors, on continue. Tu finiras bien par trouver quelque chose, normalement. Hop les. Tiens, fais un peu de ligne droite pour la peine. On verra bien. Voyons voir. J'aimerais bien récupérer un peu de minerai quand même. Tant pis. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Rien du tout. Par contre, on a de la clé au-dessus, ça va être plus facile à péter. Encore faut-il qu'elle soit permanente. Ah, j'ai cru voir un truc. Oh! Cowboy jacket. Oh mon dieu. Bon bah ça valait le coup. Du coup par contre, il va falloir que je mette des trucs un peu partout. Ça c'est cool. Ok. Et je pense pas que ce soit ça que le monsieur me... Enfin, que la personne m'avait dit de chercher. Mais c'est cool, j'ai trouvé un truc. Un coffre, tiens, j'avais pas vu. Ça je vais prendre, ça je vais prendre. Les torches, ça, je vais prendre. Le reste, je vais pas le prendre, ça va pas être au bon niveau en fait. En tout cas, pas au mien. Un challenge room, une challenge room. Avant d'y entrer, on va quand même... Hop. Voilà. Se heal un petit peu et on y va. Hop. Alors, oh c'est celle-là. Trichons un peu. Ok. Bon, ça se passe plutôt bien. Je sais plus si dans celle-là il y a quelque chose avec une pièce secrète. Ah ah, oui, il y a quelque chose. Hop. D'accord, voilà, c'est comme ça qu'on m'a dit de passer en fait. Il semblerait que ça ne marche pas partout. Est-ce que je peux voir ce qu'il y a là-bas ou pas? Pas du tout. Est-ce que j'ai toujours ma lampe torche sur moi? Eh ben non. On va lancer un flair, c'est pas grave. Mince, je me suis planté. Ah d'accord, mais en fait c'est la sortie. Juste, on va faire un TC, hop. Putain. Dommage. Alors on va essayer par là-bas. En bourrant. Ça veut plus. Non, je suis peut-être coincé. Ah, je suis coincé. Non. C'est bon. Bon, mais on peut pas y aller, tant pis. Faudra que je prenne la... La Morph Ball, en fait. Et pas ça.
plus, j'aime pas la mambo, elle consomme énormément. Je trouve ça pas honnête de l'avoir fait comme ça en fait. Ok, bon. Ça c'est moche. On rentre. Donc voilà, j'ai essayé ta technique, malheureusement elle fonctionne pas. Enfin, elle est pas complètement fonctionnelle en fait. Ça je l'avais déjà fait, donc je sais qu'il y a rien dedans. Aïe, ça c'était con. Non, j'aimerais si possible rester là où il y a de la clé. Ce serait cool. Parfait. Non. Oh, il est beau ce pistolet. 15. Celui-là il fait 20. Bon bah tant pis. Hop. Y'a pas de clé, non. Là par contre j'ai cru voir une grande lumière. Ah non, c'était pas si important que ça en fait. Ok. Bon bah on progresse. Un coffre. Rien de réellement intéressant dedans. Là non plus. Bon. Ah 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 ah. La lumière verte. Voyons voir. Avec un coffre. Toujours rien de ce qui m'intéresse. On continue. Là, il y a un coffre. Pff, Diamond Pickaxe, je les prends. C'est vraiment pour la forme, en fait. Hein. Voilà. Parfait, on continue. Ok, un endroit qui mène strictement nulle part. Là j'entends encore une zone qu'on connaît par cœur, on a déjà faite. Hop. Ah, un coffre! Non! Double coffre. Rien d'intéressant dans le premier. Et ah si! Un truc intéressant dans le deuxième. Je rappelle qu'il nous en faut 8, nous sommes à 3. Et ça ne sera pas encore complètement fini. J'ai l'impression que je cherche rien. Enfin, que je cherche pour rien. Là-dedans, on a des pixels et des pixels. Bah écoutez. Voilà. Ça me fait un petit peu de pixels. Aïe, ça c'était dangereux. Non, toujours pas. J'y ai cru l'espace d'un instant, c'est ça le pire. Ah non. Oh putain, tu me lâches. Est-ce que ce serait ça? Non. Ça c'est un donjon qui existait déjà avant. Hop. Bon. Là ça c'est un cul-de-sac mais c'est dans la clé, du coup ça va être rapide. Alors, c'est pas trop longtemps dans la clé par contre, non, toi tu vas te calmer sérieusement. Hop, voilà. Hop, merci pour ce que je peux prendre. Là y'a rien.
certains m'ont demandé de faire des timelapses pour les tournages, bah je ne le ferai pas, chers amis. Hein. Je suis désolé, hein. Il y a des choses intéressantes malgré tout, et je peux pas me permettre de faire des timelapses. Et puis moi, ça m'intéresse pas. C'est, je joue au jeu, c'est pour que vous appréciez le jeu en lui-même, pas pour vous apprécier le voir. Si, encore une construction en timelapse, ça me dérange pas. Mais. Et voilà quoi. Hop les. Alors les mecs, vous suivez plus? Ah, là j'ai une challenge room. Je vais essayer d'y aller. Hop, parfait. On va prendre ça avant. C'est quoi? C'est des bombes de cuir. Hop. Petit coup de heal avant quand même un petit peu, hein, ne soyons pas trop fous. Alors, c'est laquelle? Oh! Non, ça devrait passer. C'est bon, ça passe. Wouhou! Putain! Tout ça pour ça? Voilà, bon, c'est pas grave, on a perdu notre. Ok. Ok, bon, ça s'est plutôt bien passé, mais par contre, on s'est rendu compte que c'était vraiment, vraiment nul ce qu'il y avait dans ces coffres. Hop, voilà, ça c'est quoi? C'est de la merde. Parfait, on ressort. Et donc, chers amis, on va se laisser là pour cet épisode. On va continuer dans le prochain. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Pérou. Donc, vous pouvez retrouver les liens dans la merde de la chaîne. Vous pouvez aussi y retrouver, du coup, dans le groupe Steam à la première page, dans l'accueil. Donc, le lien vers oui, l'adresse IP de mon serveur, de notre serveur communautaire, avec le port. Donc, voilà, les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.